Frédéric Harper, comme j'aime bien le dire, aucune relation avec qui vous êtes en train de penser présentement. Je tiens à le préciser, c'est encore plus important quand que je suis au Québec. Donc, je suis évangéliste chez Mozilla. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un évangéliste? Dans le fond, j'aime bien dire que mon travail, c'est de donner de l'amour aux développeurs. C'est vraiment de faire cette relation entre Mozilla, les développeurs et Mozilla, d'aider ces gens-là à réussir avec différentes technologies. Mais surtout chez Mozilla, moi, c'est de faire la promotion des technologies web. Donc, HTML, CSS, JavaScript, surtout Firefox OS, qui est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins ici en Amérique du Nord, parce que les téléphones ne sont pas disponibles en magasin, mais beaucoup de travail en Europe, beaucoup de travail dans les pays émergents. Donc, c'est un peu ce que je fais au jour le jour. J'aime dire que j'ai utilisé un aspect de ma personne que plusieurs développeurs n'ont pas. J'étais un développeur, mais je suis quelqu'un de sociable. J'aime les gens, j'aime partager ma passion. Donc, j'ai trouvé un emploi où on me paie pour parler. S'il y en a qui sont sur Twitter, gênez-vous pas, je ne serai pas insulté si vous tweetez durant la présentation. Au contraire, j'aime bien ça. Vous pouvez utiliser @frper, c'est mon handle, c'est mon nom d'utilisateur sur Twitter. Et je vais mettre les slides et Christian qui enregistre justement la présentation. Donc, ça va être disponible en ligne aussi pour ceux qui voudraient revoir des choses ou qui auraient simplement manqué la présentation. Donc, c'est un peu bizarre pour moi aujourd'hui, parce que généralement, moi, je parle à des développeurs, je fais des présentations qui sont très techniques, mais quand on m'a approché pour l'événement aujourd'hui, j'avais un dilemme. Il y a beaucoup de... je vais utiliser beaucoup d'anglicisme, donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, faites-moi signe, mais ça reste, c'est l'informatique, hein, c'est le langage de l'informatique. Il y a beaucoup de business case aujourd'hui sur différentes technologies, et au début, je me demandais, est-ce que je vais parler de Mozilla, est-ce que je vais expliquer comment Mozilla fonctionne, et... autant il y a un intérêt pour les gens à savoir comment ça fonctionne, autant Mozilla étant une bibitte spéciale, un peu bizarre, ne suivant pas des modèles d'affaires habituels, je me suis dit, je ne rentrerai pas là-dedans. Je voulais parler de Firefox OS, mais je me dis c'est d'intérêt général, mais c'est généralement très technique. Donc, je me suis dit, je vais faire un peu un survol de l'open source, de où on est passé, de où on était, jusque où on est rendu et où on doit s'en aller. Mais c'est vraiment une présentation au niveau. Je dirais que mon but avec ma présentation aujourd'hui, j'ai seulement 45 minutes, ce qui est toujours un problème pour quelqu'un qui parle beaucoup comme moi, c'est de sensibiliser un peu les gens à continuer vers le mouvement ouvert, continuer à parler de logiciels libres, continuer à choisir ces logiciels-là, faire partie de ce mouvement-là. Donc, pas juste, pas que j'aime dire pas juste, mais pas seulement venir ici à la conférence pour en apprendre plus, mais c'est de continuer à vouloir en apprendre plus, à les utiliser, mais aussi à en faire la promotion aux gens dans notre entourage, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie personnelle. Donc, peut-être commencer avec un peu d'histoire, d'où ça vient. Donc, c'est en 85, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un d'un peu spécial, que je dis avec plein d'amour, Richard Stallman. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Richard Stallman? Donc, vous allez probablement approuver la partie un peu spéciale dans ce que j'ai dit, qui lui s'est dit, lui porterait vraiment le terme évangéliste. Donc, lui s'est dit, j'utilise des logiciels qui sont intéressants, qui fonctionnent bien. J'aimerais ça pouvoir les partager avec d'autres gens, pouvoir les offrir à d'autres gens, parce que moi, je les aime, je veux les partager. Donc, c'est ça. Je pense que c'est aux alentours des années 1985, a parti une organisation qui s'appelle le Free Software, donc qui est vraiment pour la gratuité des logiciels, qui incluait une partie de sources ouvertes, mais qui était principalement sur la gratuité. Et même Stallman, quand on le connaît, quand on le voit, lui, il est pour la gratuité d'à peu près tout. Vraiment, vraiment tout, mais principalement, il a fondé cette organisation, le Free Software Foundation. Et c'est une bonne organisation, ça prône des bonnes valeurs, mais quelques années plus tard, il y a un personnage mythique, Eric Raymond, qui s'est dit, j'aime beaucoup cette fondation-là, mais moi, qui suis-je pour décider que tout devrait être gratuit? Moi, je veux que les logiciels soient ouverts, je veux adhérer à cette philosophie-là d'open source, mais si quelqu'un veut vendre ou veut faire de l'argent avec l'open source, qui suis-je, moi, pour imposer aux gens qu'ils ne devraient pas faire, qu'ils ne devraient pas vendre ces logiciels-là? Donc, Eric Raymond, quelques années plus tard, a parti le Open Source Initiative, qui découle un peu de tout ce qu'on parle aujourd'hui, quand on parle d'open source. Puis ce qu'il faut garder en tête aussi, qui est peut-être une mauvaise compréhension, c'est que même aujourd'hui, puis quand je dis aujourd'hui, je parle de la conférence aujourd'hui, on parle d'open source, on revient tout le temps au coût de licence, on revient tout le temps à la gratuité, mais open source n'égale pas gratuit.
Donc, absolument, dépendant des licences que vous utilisez, mais il n'y a absolument aucune obligation de dire, si moi, je veux, en tant qu'entrepreneur, créer un logiciel qui va être à source ouverte, qui va être open source, je peux vendre ce logiciel-là. C'est juste que je vais vous donner les sources lorsque je vais vous vendre le logiciel. Ou je peux avoir différents types de licences. Mais Eric Raymond s'est dit, non, j'adhère très bien au Free Software Foundation, mais je vais créer l'Open Source Initiative parce que je crois aux sources ouvertes, mais je crois qu'il peut y avoir différents types de business, différents business models qu'on peut faire avec l'open source. Et croyez-moi, j'ai travaillé chez Microsoft pendant 2 ans et demi comme évangéliste. Mon travail était relié à l'open source. Donc, Microsoft m'a approché pour dire, Frédéric, tu fais de l'open source, tu viens de la communauté open source, tu es à Montréal, tu es francophone. On aurait besoin de quelqu'un comme toi pour comprendre comment approcher ces gens-là, pour aider les gens à l'interne à mieux comprendre la culture d'open source, mais aussi pour promouvoir un peu ce que Microsoft fait en termes d'open source. Parce que pour les gens dans la salle qui font d'open source, qui sont ce que j'appelle avec amour mes hippies de l'open source, Microsoft est l'empire du mal. C'est l'empire du mal. Et c'était une guerre. Il y a quelques années, c'était une guerre à sang. C'était une guerre affreuse parce que Microsoft était le méchant, était l'empire du mal, était le Death Star, était les gens qu'on devait combattre parce que nous, on croyait au logiciel libre et il y avait les gens comme Microsoft qui ne faisaient que du propriétaire, qui ne jouaient pas bien avec les autres. Donc, ils ne se sont pas toujours aidés. C'est-à-dire que, par exemple, Ballmer a dit il y a quelques années, Linux is a cancer. C'était assez intense. Microsoft s'est excusé pendant des années pour une phrase assassine comme ça. Donc, il y avait des attaques qui étaient faites des entreprises comme Microsoft vers les gens d'open source. Ils ne croyaient pas. Ils, justement, pensaient que c'était un mouvement qui était pour se terminer. On pensait que Linux était une phase d'une quelques nerds dans leur garage et que ça va tomber éphémère parce que Windows était la référence en termes de système d'exploitation. Mais c'était une guerre qui se faisait dans les deux sens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu cette affiche-là, mais quand vous programmez pour l'open source, vous programmez pour le communiste. Je ne sais pas si on le voit très bien avec la lumière ici. Et c'était écrit en bas, « A reminder from your friends at Microsoft ». Est-ce qu'on peut être assez d'accord sur le fait que Microsoft n'aurait jamais fait une affiche comme ça? Peu importe on peut dire le mot haine, peu importe le ressenti qu'il y avait envers les communautés open source dans ces temps-là, peu importe comment la relation était, c'est les communautés open source très fortes qui ont fait des affiches comme ça pour alimenter cette guerre-là un peu, qui était même pas propriétaire open source, qui était Microsoft versus tout ce qui est ouvert. Donc ça, c'est un peu le passé avec lequel on a vécu. Et est-ce qu'il y en a que ça fait quand même plusieurs années qui baignent dans l'open source? Dans les codes ouverts. Donc, vous avez eu le plaisir d'avoir des discussions avec vos patrons, d'avoir des discussions avec des clients où on avait ces fameux mythes où on ne peut pas utiliser d'open source, on ne peut pas utiliser des sources ouvertes. Ce n'est pas sécuritaire parce que le code est disponible en ligne, tout le monde peut voir s'il y a un bug, s'il y a un problème de sécurité. C'est pas sécuritaire. Quand on parle d'open source, mais là, bear with me, restez avec moi, je parle de ce qui se passait avant. C'est plus difficile à maintenir. Là, qu'est-ce qui arrive si les 3-4 nerds qui sont dans leur sous-sol, qui travaillent sur le framework ou le système d'exploitation qu'on veut utiliser, décident de ne plus les utiliser, n'ont plus le temps, obtiennent un vrai travail et n'ont plus le temps de travailler sur ces librairies-là? Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile à maintenir. C'est utilisé, on utilise des technologies ésotériques qu'on ne connaît pas trop, qui ne sont pas très utiles. Non, l'open source, ce n'est pas une bonne solution. Puis, il n'y a pas de support. Il n'y a pas de support. Qu'est-ce qui arrive, moi, si j'ai un problème? Moi, j'ai une entreprise, mon but, c'est de faire de l'argent. Et qu'est-ce qui arrive si j'ai un problème avec mes technologies? Je ne peux pas appeler un téléphone, je ne peux pas appeler quelqu'un qui est payé pour me faire du support. Effectivement, c'était peut-être un peu vrai aussi dans le temps. C'était un peu plus compliqué, il y avait peut-être un peu moins de structure, mais c'était vraiment ce qui revenait en tête. Et le point assassin qui englobait tout ça, c'était... Mais ce n'est pas de niveau enterprise, ce n'est pas de niveau entreprise. Moi, je fais quelque chose de sérieux, là. Ce n'est pas durant mon temps libre que j'utilise des logiciels, que je crée des logiciels dans mon garage. Je fais quelque chose de sérieux, j'ai une entreprise à faire rouler. Je ne peux pas aller avec l'open source. Et malheureusement, ce sont des mythes qu'on entend encore aujourd'hui. C'est beaucoup moins présent, les gens sont beaucoup plus pragmatiques, connaissent un peu plus ce qui se passe avec l'open source, mais c'est encore des choses qu'on attend aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup plus présent. La preuve qu'on soit capable d'avoir un événement comme aujourd'hui, où il y a plusieurs centaines de gens, où ce ne sont pas que des gens qui sont pro-open source, c'est des gens qui viennent s'informer, comme vous, qui viennent comprendre un peu plus ce qui se passe. Aujourd'hui,
s'il y en a qui ont assisté au keynote de ce matin, moi, j'ai trouvé ça fantastique, l'approche que le colonel et la gendarmerie avaient. Ils ont été vers l'open source. Ils ont pris en compte l'open source. Ce n'était pas une règle pour eux de faire en sorte qu'on doit absolument être ouvert. Eux autres, ce qu'ils avaient besoin, c'est quelque chose qui fonctionnait bien, mais ils n'ont pas été directement vers le propriétaire. Ils ont pris le pour et le contre des deux technologies et ça fait en sorte que l'open source est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présent. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait vraiment plaisir en tant que pro-open source, c'est les synonymes qui viennent avec ces technologies-là. Maintenant, on parle de sécurité. C'est aussi sécuritaire, sinon plus, une technologie ouverte. Parce que, justement, les inconvénients qu'on avait avant sont devenus des avantages. Bien là, on a accès aux sources. On est capable de détecter les bugs plus rapidement. On n'a pas besoin d'attendre qu'une entreprise X décide éventuellement de faire un release d'un patch de sécurité. Donc, on a cette opportunité-là. On parle de qualité. Ce n'est pas tous les logiciels open source qui sont de qualité. Ce n'est pas tous les logiciels propriétaires qui sont de qualité. Mais aujourd'hui, on a des logiciels qui rivalisent au niveau open source, qui rivalisent très bien avec des logiciels qui sont propriétaires. Flexibilité, interopérabilité, c'est quelque chose qui revient souvent. Quand vous allez chercher sur Internet, si vous cherchez des business cases, si vous cherchez des white papers, si vous cherchez des statistiques par rapport à quelles sont les entreprises qui ont changé pour des solutions vers, de propriétaires vers open source, on va toujours parler de licence. Toujours, toujours, parce que c'est ce qui a un impact direct sur notre portefeuille. Mais si vous lisez bien, vous allez toujours avoir une discussion alentour de la flexibilité et de l'interopérabilité. Est-ce que ces technologies-là fonctionnent bien avec des autres technologies? Et par le fait que c'est des standards la plupart du temps, ça va être beaucoup plus facile de passer d'une technologie à une autre. Il va y avoir moins de ce qu'on appelle des « vendor lock-in ». Par exemple, on parlait de « cloud computing » tantôt, d'infos nuagiques. Le support, c'est rendu, on a du support maintenant avec les, que ce soit du support indirect par la communauté, par exemple, sur un projet qui est sur GitHub, je peux moi-même faire mon fix avec des pull requests, je peux faire un issue, ou on pense à des compagnies comme Canonical qui offre du support. Donc, j'utilise Ubuntu chez nous, j'ai une compagnie comme Canonical qui va m'offrir du support. Et les coûts, qui, selon moi, ne devraient pas être l'argument principal quand on parle d'open source, parce que c'est un peu biaisé de tout ramener tout le temps au prix des licences, mais on va être tout le monde d'accord dans la salle que si vous utilisez des technologies open source, la plupart du temps, ça va être des technologies qui sont gratuites, donc vous n'aurez pas besoin de payer les licences et vous allez sauver sur les coûts. Et on peut en vivre. Donc, l'idée, ce n'est pas de lire les entreprises ici, mais c'est une cinquantaine d'entreprises qui sont dans les plus grosses entreprises à travers le monde. On en a ici, Akia sont ici, il y a des gens de Red Hat qui sont ici, il y a MySQL qui est un bon exemple qui a été racheté par Oracle, mais ce sont tous des entreprises qui vivent de l'open source. Pas qui utilisent, qui vivent de l'open source, qui créent des logiciels avec différents modèles d'affaires, réussissent à très bien vivre, à avoir des entreprises prospères, des fois à être rachetées par des plus grandes entreprises, mais j'en ai seulement 50. Mais il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont de très grandes entreprises à très petites entreprises. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'open source, on peut en vivre. C'est plus simplement quelque chose pour le plaisir des développeurs qui, dans leur temps libre, travaillent sur des projets parce qu'ils n'ont pas la créativité au travail. Donc, vraiment, on peut en vivre. Puis, il y a différents modèles d'affaires. Est-ce qu'il y en a ici qui, présentement, vivent de l'open source? C'est-à-dire que votre entreprise est principalement basée sur l'open source. Donc, tu as Christian, ça va faire Linux, quelle entreprise? OK. Et? MapGears. Donc, c'est des entreprises, puis il y a différents modèles d'affaires. Je ne connais pas vos modèles d'affaires spécifiques, mais il y en a trois qui reviennent principalement, globalement, qui sont, je dirais, les plus populaires. Donc, il y a l'aspect de licence double. On voit ça, par exemple, avec MySQL est un exemple, avec Oracle. Donc, il y a une version qui est, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé MySQL, mais il y a une version communautaire qui est généralement gratuite, qu'on peut utiliser. Il y a une version Enterprise où, là, on va avoir un autre type de licence. Donc, on va probablement avoir des coûts pour acheter ces logiciels-là. Il y a la vente de services. Il y a la vente de services de deux types. J'ai mis support parce que c'est une vente de services qui est assez populaire. Encore Canonical, qui est un exemple, un des plus gros exemples, où tu as un service 24 heures sur 7, où tu peux appeler Canonical, tu peux avoir du service. Là, je ne suis plus sûr du 24 heures sur 7, parce que j'ai vu monsieur qui a fait un... Mais il me semble que c'est 24 heures sur 7. Bref, il y a un service de support professionnel, comme d'autres entreprises, où vous pouvez appeler et vous allez avoir un support. Donc, Linux, la version Linux, la distribution va être gratuite. On peut l'installer. Il n'y a pas de coût relié à la licence. Mais par contre, j'ai un besoin professionnel, j'ai un problème. Je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir l'expertise technique. Je peux avoir accès à un support. Mais il y a aussi des entreprises, ça va faire Linux, qui est un exemple que je connais bien, qui, eux autres,
offre les services de développement, offre des services d'installation, offre différents services, mais qui tournent toujours alentour du domaine open source. Puis, il y a l'aspect software as a services, qui est vraiment un exemple qui est assez proéminent que les gens connaissent, mais que aussi les gens qui ne sont même pas dans le milieu des TI connaissent bien, c'est WordPress. Par exemple, si on va sur wordpress.org, je peux télécharger WordPress, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est à source ouverte, j'ai accès aux sources de WordPress. Par contre, dans ce cas-là, je dois installer WordPress sur mon propre serveur. Où je peux avoir un serveur hébergé, un serveur partagé, je peux le mettre dans le cloud, différentes technologies, Amazon, Microsoft Azure, j'ai le choix. Mais aussi, WordPress, si je vais sur wordpress.com, c'est un service as a software as a services, SaaS, ce qu'on appelle, j'ai aucune idée du terme en français, mais il y a une offre qui est gratuite. Par contre, on peut avoir besoin de payer pour l'utilisation de différents plugins. On peut avoir besoin de payer pour pouvoir installer différents thèmes. Et ils ont même un service qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est WordPress VIP, qui est pour les gros sites, les The Verge de ce monde, les gens qui ont beaucoup, beaucoup de traction, qui voudraient utiliser WordPress comme leur CMS, comme leur outil de blog. Et eux autres vont vendre pour un montant X par mois l'offre de ce logiciel-là, qui pourtant est gratuit, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on offre, c'est d'autres gens qui vont s'occuper de notre infrastructure sur nous. Comment? Oui, merci. Effectivement. Donc, il y a plusieurs millions de projets. On entend parler des plus gros ici quand on vient dans des événements comme ça, mais si vous allez faire un tour, moi, je suis un gros fan de Git, donc tout ce qui est versioning de fichiers, qui est pas mal la cote ces temps-ci quand on parle aux gens techniques, quand on parle aux développeurs. Si vous allez faire un tour sur GitHub, vous allez voir énormément de projets. Vous faites un tour sur Bitbucket, faites un tour sur GitLab, vous allez sur des endroits qui utilisent SVN ou qui utilisent Git aussi maintenant, SourceForge, vous allez voir plein de projets. Par contre, si vous regardez dans ces millions de projets-là, il y a plusieurs projets qui brièvement n'existent plus, qui ne sont plus supportés, qui ne sont plus utilisés. Donc, ça, il faut toujours faire attention quand on regarde les projets, mais on peut aller faire un tour sur openhub.net. Ce n'est en rien une liste exhaustive, mais si vous allez faire un tour, vous allez voir une liste des projets qui sont les plus populaires, dans le fond, dans ceux qui sont monitorés par ce site-là, les projets qui sont les plus actifs, les contributeurs qui sont les plus actifs. Et vous allez voir des noms que vous connaissez peut-être. Si vous êtes dans le domaine des TI, vous allez voir, bon, c'est un add-on, mais je suis assez content. Le projet qui est en haut, c'est Firefox. Mais vous allez voir des trucs comme le Apache, le serveur Apache. Vous allez voir MySQL. Vous allez voir le kernel de Linux, qui est encore un projet qui est flamboyant en termes de nombre de commits, nombre de partages, nombre d'ajouts de code dans ce projet-là. Puis on est rendu à un point, moi, ce qui me fait vraiment plaisir avec l'open source, c'est que c'est sorti du domaine des geeks, un peu. C'est sorti du domaine des développeurs. Oui, ça reste encore très un peu plus pour les gens techniques, mais on a des logiciels maintenant où, aujourd'hui, moi, je peux parler des logiciels qui deviennent de facto. Par exemple, là, je vais partir d'une guerre de distribution, mais souvent, quand on dit le mot Linux, la première réponse qu'on va avoir, c'est Ubuntu. Là, je ne veux pas partir de guerre de distribution, ça peut être Gentoo, ça peut être SUSE, ça peut être n'importe quoi, mais souvent, de facto, ça va être Ubuntu. On parle de navigateur, on va parler de Chrome. Si je parle de Firefox à mon père, à ma mère, qui ne sont pas en informatique, ils savent ce que c'est. Les gens n'ont plus seulement Internet Explorer dans la bouche. Si je parle de Chrome, les gens vont savoir c'est quel navigateur. WordPress. Quand j'étais à mon compte, les gens me demandaient des sites web. Ils me demandaient, moi, j'aimerais ça être capable d'avoir mon site WordPress. C'était plus, je vais avoir un site web, je vais avoir un site WordPress. Je vais avoir un site que je suis capable de gérer moi-même. Et quand une des solutions était WordPress, les gens savent ce que c'est. Ce sont des logiciels qui sont open source, qui sont autant populaires, sinon plus, que des logiciels qui sont propriétaires. Et WordPress, ça doit être encore vrai, est la plateforme qui héberge, qui est utilisée pour le plus de sites dans le monde. Donc, c'est la plateforme la plus populaire pour les sites web dans le monde. Et là, on a des choses qui sont un peu plus geek, mais les gens connaissent MySQL, et on pense MySQL, ça a été racheté par Oracle, mais ça compétitionnait des bases de données Oracle, ça compétitionnait des bases SQL Server de Microsoft. On parle des projets open source qui ont compétitionné des géants comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça. On parle de Python, qui est une technologie qui continue encore à avoir beaucoup d'essor. Et le dernier, peut-être qu'on connaît un peu moins, qui est Inkscape, que moi, j'aime beaucoup, j'utilise, qui est,
je dirais, une alternative à Illustrator. Je pense qu'on n'est pas totalement là, selon mon humble avis, mais je ne suis pas un designer. Fait que pour moi, Inkscape fait tout ce que j'ai besoin. C'est gratuit, c'est à source ouverte. Donc moi, quand je vois des logos comme ça, quand je vois des produits comme ça qui compétitionnent les gros de ce monde, qui compétitionnent ce qu'on était habitué de voir en termes de propriétaires, je pense qu'on a fait un très grand chemin quand on parle d'open source. Et il faut que j'arrête d'utiliser le terme hippie, là, mais c'est vraiment pas juste pour les hippies. Il y a des entreprises qui ne vivent pas d'open source, mais qui utilisent des logiciels ouverts à l'interne, dans leur infrastructure, pour leur travail de tous les jours. Et on aurait beau lire la liste, l'idée, c'est pas de lire le tout, mais moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est McDonald's. Je suis pas un fan, je sais pas, je devrais dire ça, je t'enregistre, je suis pas un fan de McDonald's, j'ai déjà été plus jeune, je vais beaucoup moins souvent chez McDonald's. Ça reste que, en termes d'entreprise, c'est assez populaire. Je voyage beaucoup pour mon travail, peu importe où je vais dans le monde, je croise tout le temps un McDonald's. Peu importe où je vais dans le monde, il y a un McDonald's. Mais McDonald's utilise des solutions open source. Je ne pourrais pas vous dire exactement lesquelles, mais je sais que McDonald's utilise des solutions open source. Bien sûr, on a Google, Facebook. Facebook reste, en tant que tel, l'entité Facebook reste propriétaire. Ce n'est pas du code qui est ouvert, mais on utilise chez Facebook, on utilise du Python, on utilise du Ruby, on utilise beaucoup les standards web. Donc, ces entreprises-là utilisent d'open source. Encore là, le plus bel exemple du matin que je connaissais que de haut niveau, c'est encore, moi, je suis étonné par le professionnalisme de la gendarmerie française. Pas que je pensais que les Français n'étaient pas professionnels, mais la manière qu'ils ont fait face à tout ce changement-là, je trouve que c'est exceptionnel, c'est un bel exemple. Et peu importe ce que vous allez regarder, comme je vous dis, ça revient souvent à on sauve des coûts en termes de licence, mais peu importe où vous allez regarder, tu as la ville de Munich qui a sauvé plus de 10 millions d'euros en passant à l'open source, tu as la banque qui est une banque Barclays, une banque, c'est probablement une des institutions qui est le plus, je ne sais pas comment le dire poliment, bref, comment? Conservateur est le mot politiquement correct, Barclays, qui est quand même une grande banque en Europe, qui a sauvé près de 90% en termes de logiciel, en termes de coûts. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire 90% en termes de coûts, mais on s'imagine que vu que c'est une grosse banque, ça doit être des montants assez intéressants. Le gouvernement du Royaume-Uni, il y a beaucoup d'exemples en Europe. Je trouve que, personnellement, c'est mon même avis, je trouve que l'Europe est un peu plus avancée en termes d'ouverture vers l'open source qu'on peut l'être en Amérique du Nord. Mais le Royaume-Uni, comment le gouvernement qui a sauvé plein de 98,5% en termes d'argent investi dans les infrastructures informatiques. Et ce que j'aime beaucoup, c'est « we save taxpayers ». Les gens qui payent les taxes, les gens qui habitent au Royaume-Uni ont sauvé de l'argent. Bon, là, après ça, on peut avoir une discussion sur comment l'argent a été réutilisé par la suite par les gens qui sont à la tête du pays. Mais bref, il y a eu de l'argent qui a été sauvé. Encore là, Poole Academy, qui est une université, ils sauvent près de 3 000 euros par année. C'est des sommes qui sont assez intéressantes. Moi, en tant que personne qui a un côté entrepreneur, partir mon entreprise, travailler avec d'open source et être capable de sauver des coûts comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc là, j'ai mis de l'avant, c'est sûr, l'aspect monétaire. Mais il y a toujours plus que ça. Et c'est ça aussi, je pense, qu'on doit comprendre. Souvent, on parle d'open source en termes de licence, mais ce qu'on doit garder en tête aussi, c'est que ce n'est pas juste une question de licence. Et ce n'est pas juste une question de coût, c'est une question de flexibilité, c'est une question d'interopérabilité, c'est une question de liberté, c'est une question de sécurité qu'on doit garder en tête. Et les méchants ont changé un peu. Par expérience, je ne pointe personne du doigt, mais par expérience, moi, je vous l'ai dit encore tantôt, je faisais de l'open source, je travaillais chez Microsoft, mon travail, c'était de parler d'open source, et il y a des gens qui viennent me voir et qui m'ont dit, « Fred, ça me fait de la peine de dire ça. » Mais je pense que Microsoft, c'est loin d'être parfait. Mais ça s'en va dans la bonne direction, et on a d'autres méchants maintenant. On a d'autres gens qu'on aime un peu moins. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais ça veut dire que quand des entreprises font des pods géants comme ça pour être beaucoup plus ouverts, j'étais sur un panel sur le cloud computing tantôt, et IBM est un des principaux contributeurs à OpenStack. On ne s'attendrait pas à ce qu'une entreprise comme IBM fasse ça. Microsoft, comme je disais, on utilise HTML pour les technologies, les applications Windows, sur Windows Azure, sur Microsoft Azure. On peut mettre du Drupal, on peut mettre du WordPress, on peut mettre des VM sous Linux. Donc, il y a une ouverture, c'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses qui sont propriétaires, mais ça s'en va dans la bonne direction.
Et quand je parlais, il y a d'autres méchants qui viennent. Des fois, on aime les technologies, des fois, on les aime moins, des fois, on n'est pas sûr, les données s'en vont où. C'est un autre avantage aussi avec l'open source, c'est qu'on peut savoir ce qui se passe en dessous de la machine, en dessous du capot. On sait ce qui se passe vraiment. Je parlais de Microsoft. Il y a Make One Not War qui est une initiative de laquelle je faisais partie, qui, elle, son travail, c'est tout simplement de faire la promotion de l'open source, de l'open data et des standards ouverts au Canada. Mais il y a une initiative qui s'appelle Microsoft Open Technology Inc. Et ça, c'est des employés qui sont payés chez Microsoft que pour faire de l'open source. Puis là, je donne beaucoup d'exemples de Microsoft. Oui, je travaille chez Mozilla, mais j'ai vu le côté, les deux côtés. C'est l'expérience que je connais, c'est je sais ce qui se fait à l'interne. Donc, c'est un des exemples. Je parlais d'IBM tantôt, je parle de VMware qui, éventuellement, je pense, vont travailler un peu plus sur OpenStack. Donc, il y a beaucoup de choses de fait. Mais l'open source a amené beaucoup plus que les logiciels à source ouverte. Et ça, c'est mon interprétation personnelle. Il n'y a rien qui définit que certains mouvements sont nés de l'open source. Mais moi, quand je pense à des choses comme les licences Creative Commons, moi, ça me fait beaucoup penser à c'est un dérivé, on est parti d'open source, de cette logique-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, ma présentation est sous licence Creative Commons. Donc, vous avez peut-être vu les deux C en début, en haut de ma présentation. Moi, j'ai mis sur la licence de « on peut partager commercial ou non ». La seule chose, c'est que je demande que si vous utilisez mes slides, donc demain matin, si vous dites « c'était tellement bon, je vais refaire ça dans mon entreprise », vous pouvez prendre mes slides, mes présentations, et refaire la même présentation dans votre entreprise. La seule chose que je vous demande, c'est d'avoir un petit crédit pour dire « c'est Frédéric Harper qui a fait le travail initial chez Mozilla » ou « c'est Mozilla qui a fait le travail initial », c'est la seule chose que je vous demande. Donc, ça me permet, moi, sans être un expert de licence, sans avoir à travailler avec d'autres experts, de partager mon contenu d'une manière ouverte. Donc, oui, ce n'est pas du code, mais vous êtes capable de reprendre ma présentation et de l'utiliser. Je vous conseillerais fortement de l'adapter à vos besoins, mais vous comprenez le principe. Et moi, je pense que des éléments comme ça, ça dérive un peu de l'open source. Open data, pour ceux qui avaient vu le lien ou pas. Moi, je suis plus un fan de Star Wars, mais bon. Je pense que c'est un dérivé aussi. Donc, les données ouvertes, on est assez chanceux au Québec parce qu'on a des organisations assez fortes. On a Québec ouvert, on a Montréal ouvert, qui font la promotion des données ouvertes. Qu'est-ce que c'est les données ouvertes? C'est de dire les entreprises privées, les entreprises gouvernementales ramassent un nombre inimaginable de données par des recherches, par des statistiques, par les systèmes qu'ils offrent aux gens. Et ces données-là, on n'a pas toujours accès. Donc, c'est de dire pourquoi ces données-là, sous un standard qui, malheureusement, n'est pas toujours et la plupart du temps pas respecté par les gens qui offrent les données, mettons ces données-là disponibles aux gens et les gens vont pouvoir les utiliser à bon escient. Et il y a plusieurs applications, des hackathons qui ont eu lieu à Québec, qui ont eu lieu à Montréal, entre autres, qui ont eu lieu ailleurs dans le Canada et qui ont donné naissance à des applications intéressantes. Il y a des applications, par exemple, une application Montréal, je ne me souviens plus le nom, mais avec les données ouvertes de Montréal, on était capable d'avoir une application où les gens pouvaient signaler à la ville où il y avait des nids de poules. Parce qu'au Québec, on n'a pas du tout de nid de poule dans la rue. Donc, il y avait une possibilité de signaler ces informations-là. Avec les bicyclettes Bixi, donc j'avais accès aux informations Bixi et des applications qui ont été créées pour être capable de voir où il y avait des bicycles de disponibles. Même chose pour les parcs communs de la ville de Montréal, où il y avait des stationnements payants, où il y avait des zones qui étaient payantes ou non. Donc, Open Data, c'est assez intéressant. Et pour moi, je pense que c'est ça vient du mouvement open source à un certain moment donné. Il y a Open Science. Encore là, on reste dans l'ouverture d'esprit. Encore là, on ne parle pas de code source, mais même chose, les scientifiques aujourd'hui font plusieurs recherches, accumulent beaucoup de données et ont tendance à, et là, je ne suis pas scientifique, je ne veux pas blâmer du tout le milieu scientifique, mais ont tendance à garder ces données-là, ces recherches-là pour eux autres. Et avec le Open Science, l'idée, c'est de dire, non, partageons ces données-là. Probablement qu'il y a des recherches qui iraient énormément plus vite. On aurait peut-être, et encore là, je ne suis pas dans le domaine, c'est de simple supposition, on aurait peut-être résolu plusieurs problèmes de santé ou autres si certaines données auraient été partagées. Là, bien sûr, il y a un aspect juridique, il y a un aspect business en arrière de tout ça, mais il y a ce mouvement-là qui, pour moi encore, est issu du mouvement Open Source. Il y a Open Education, l'éducation ouverte, qui est un dérivé encore selon moi. Pensez à Harvard qui met en ligne certains cours, donc qui sont totalement gratuits, qu'on peut
On peut suivre certains cours en ligne. On a les informations qui sont en ligne, qui sont disponibles. Donc, ce n'est plus une question de « est-ce que je suis bien nanti? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je suis accepté pour suivre certains cours? » Donc, il y a cette philosophie d'ouvrir l'éducation à un peu tout le monde qui, selon moi, vient encore un peu de ce mouvement open source. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans un monde parfait. Est-ce qu'un monde parfait, c'est un monde qui n'utiliserait que d'open source aussi? Il faut garder ça en tête. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont une approche pragmatique envers les logiciels libres. Il y a beaucoup moins de ce qu'on appelle les gros méchants, les evil empire, les gens qui vraiment combattent l'open source parce que l'open source, c'est mal. Il y a encore cette présence-là. Mais je vais vous parler très, très rapidement de Mozilla, parce que c'est souvent une question qui revient, puis parce que c'est un peu une bibitte à part. Puis après ça, je vais terminer en vous mentionnant un peu vers où je pense qu'on s'en va et vers où on doit s'en aller et comment tout le monde dans la salle, je pense qu'on peut participer. We're quite content to be the odd browser out. We don't have a fancy stock abbreviation to go alongside our name in the press. We don't have a profit margin. We don't have sacred rock stars that we put above others. We don't make the same deals, sign the same contracts, or shake the same hands as everyone else. And all of this is fine by us. We're a pack of independently spirited, fiercely unconventional people who do things a little differently. Where another company may value the bottom line, we value, well, values. When a competitor considers making something proprietary, we strive to set it free. And while most products and technologies are developed behind closed doors, ours are cultivated out in the open for everyone to see. We're not beholden to stake, share, or power holders. We answer to no one but you. And we don't operate this way for the fun of it, even though it is incredibly fun. We operate this way because we believe it's the right thing to do. We believe in principle over profit. We believe that secrecy is trumped by honesty, and corporate interest by community. We believe that the web is more cared for than owned, more of a resource to be tended to than a mere commodity to be sold. And we strongly believe in innovation that puts users front and center and squarely in the driver's seat. But most importantly, we believe in you. We believe that the world's best browser is made possible by engineers, programmers, designers, and people just like you, who give their time, talents, energy, and support to the cause. And we believe that together, with this cause in mind, we can continue to innovate for the benefit of the individual and the betterment of the web, so that it always and forever serves the greater good. We are all Mozilla Firefox, and we're not just a different kind of browser. We're a browser that's making a difference. Personnellement, je déteste quand les présentateurs mettent des vidéos parce que tu es venu voir quelqu'un parler puis là, tu es obligé de regarder une vidéo. Mais cette vidéo-là de 1 minute et demie me donne des frissons à tous les fois. Peut-être que je suis trop dans Mozilla. Mais c'est ce qui fait en sorte que Mozilla est très différent. Quand on parle de Mozilla, pourquoi je voulais en parler? C'est parce que j'ai souvent une question puis il y a plein de gens qui m'ont approché aujourd'hui qui m'ont fait « Ah, oh, pourquoi tu n'as pas fait une présentation juste sur Mozilla? » Puis je trouve que c'est un peu différent du fait que on n'est pas une entreprise qui fait de l'argent. On est vraiment une organisation à but non lucratif, mais on a besoin d'argent pour vivre et on a un modèle d'affaires qui est assez spécial. Donc, on ne vend pas le logiciel. Le but de Mozilla, puis ça, c'est ma définition à moi, c'est Mozilla est une communauté mondiale sans but lucratif composée de volontaires comme d'employés, qu'on appelle les Mozillians, peut-être vous avez déjà entendu ça, qui contribuent et font la promotion de l'ouverture, l'innovation ainsi que la bonne santé du web. Donc, ce n'est pas une mission qui est cachée à quelque part sur un site web d'une entreprise, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Donc, les gens me posent des questions des fois, « Oui, mais là, toi, tu fais la promotion de Firefox OS, Google a annoncé Android One, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tuer Firefox OS en Inde? » Et je me dis, ben, si ça tue Firefox OS en Inde et qu'Android One fonctionne bien, est abordable et donne accès aux gens au web, on a gagné. Mozilla a réussi ce qu'il y avait à faire. Donc, c'est sûr que je veux que Firefox OS continue, mais c'est une bébête étrange dans ce sens-là. Parce qu'on ne fait pas les logiciels pour faire de l'argent. Le support est gratuit. Tout est gratuit. Et pour ceux qui se demandent où on fait l'argent, c'est principalement avec les partenariats qu'on a avec les moteurs de recherche. Donc, quand vous utilisez Firefox, si vous cherchez dans Google, Bing, Yahoo, il y a un moteur de recherche avec qui on a une entente en Chine qui est plus populaire que Yahoo là-bas, nous verse l'argent. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de vivre avec
presque 1000 employés et beaucoup, beaucoup de volontaires. Et quand je parle de volontaires, bien, il y a toujours un coût associé à des volontaires parce qu'ils font vraiment partie de la famille Mozilla. Donc, on les amène dans les réunions, on les amène dans les conférences. Donc, même si on ne paye pas un salaire pour ces gens-là qui s'investissent énormément dans la cause, il y a quand même un coût qui est rattaché. Mais Mozilla, c'est plus que Firefox. C'est Firefox OS, qui est un téléphone qu'on entend un peu moins parler en Amérique du Nord, mais qui est surtout pour les pays émergents. S'il y en a qui veulent en entendre un peu plus parler, je pourrais avoir une discussion avec vous autres après. C'est le marketplace qu'on travaille, qui est un marketplace qui est ouvert. C'est WebMaker qui fait de l'éducation. Donc, c'est même pas un logiciel. Bien, il y a des logiciels alentour de tout ça, mais on aide les gens, on fait ce qu'on appelle du web literacy. On aide les gens à prendre le pouvoir au niveau du web. C'est-à-dire de ne pas être juste un consommateur, mais d'être capable aussi de créer. Donc, on ne veut pas faire que tous les gens soient des développeurs, mais qu'il y ait un minimum de connaissances pour prendre en possession ce web. Pour les développeurs, on pense à Bugzilla, on pense à Gecko, qui est l'engin à l'arrêt de Firefox, on pense aux API qu'on a rajouté, les Web API dans les standards pour donner accès au hardware. Et c'est beaucoup plus de ça. C'est plein de librairies, c'est plein de travail qu'on fait avec les différents partenaires, avec les différents gens du W3C. Donc, Mozilla, c'est une entreprise à but non lucratif qui fait la promotion du web ouvert et qui a une très grande culture de tout ce qui est ouverture, mais ouverture open source, mais ouverture beaucoup plus. Chez Mozilla, il y a quatre principes qui reviennent assez souvent parce que c'est une organisation ouverte de droite à gauche. C'est pour ça que je vous disais que c'est une bibitte un peu plus spéciale que d'autres organisations. Il y a une politique de porte ouverte. Donc, il n'y a pas de bureau à Québec ni à Montréal, mais si vous allez à Toronto, à Vancouver, on a deux bureaux au Canada, vous vous présentez au bureau. On va vous assigner une place, vous pouvez travailler au bureau. Vous voulez jaser à quelqu'un, on va trouver la personne. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, c'est ouvert de nature. Les finances sont transparentes, vous allez sur le web. Peu de gens savent comment Mozilla fait de l'argent. J'en ai très, très vaguement parlé. Vous allez faire un tour, vous allez voir le détail des finances, le détail de comment on fonctionne, le détail de aussi comment les produits sont faits, quels sont nos ce qu'on appelle les roadmaps, les feuilles de route pour les produits, et une ouverture de réunion, moi, et de documentation. Moi, tout ce que mon patron me chicane si je ne mets pas mes notes disponibles en ligne à tout le monde. C'est ouvert comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une entreprise un peu spéciale. Je tenais à prendre un petit 5 minutes pour en parler très, très rapidement, très vaguement. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que Mozilla fait la promotion de l'open source, fait la promotion des logiciels ouverts, fait la promotion de la gratuité et de l'accessibilité au web. Donc, je pense qu'on fait partie de ce mouvement-là. Donc, le futur qui commence dès aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'open source, qui ne comprennent pas les avantages. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas à un niveau de même qualité qu'un produit propriétaire. On a besoin de tout le monde. On a vraiment besoin de tout le monde dans ce travail-là au niveau de l'open source. Une façon de faire, bien sûr, vous pouvez aller faire un tour sur mozilla.org/contribute. Il y a différentes façons, que vous soyez technique ou pas, de participer. Mais ça, c'est une facette. C'est le gars de Mozilla qui vous dit d'aller faire un tour sur mozilla.org/contribute. Mais il y a plein d'autres façons de partager et surtout d'éduquer les gens. On a encore beaucoup, 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 beaucoup d'éducation à faire. C'est de loin mieux qu'avant. Avant, quand je parle d'open source, les gens savent un minimum de quoi je parle. Ce n'est pas du chinois. C'est du chinois, mais ce n'est pas quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas toujours bien. Il y a encore beaucoup de mythes qui persistent, mais je pense que le principal travail, au-delà de participer au niveau du code dans ces applications-là, le plus gros du travail que les gens devraient faire, c'est au niveau de l'éducation. Puis, il y a des bonnes choses qui arrivent. Par exemple, GitHub, en fait, c'est chooseolicense.com qui est très intéressante parce que moi, je me perds tout le temps, même dans les licences, même en regardant que les licences open source. Et c'est un bon site web pour m'apprendre, pour me faciliter la tâche à choisir un type de licence. On propose 3 types de licences ici, l'Apache, le MIT, puis GPL, puis le MIT License. On doit avoir plus de projets comme ça. On doit avoir plus de simplicité quand on pense, quand on parle projet open source. On doit aussi sortir de l'aspect « ce n'est que la licence, ce n'est que la gratuité ».
Et on doit arrêter d'être, et ça, c'est peut-être pas votre cas, mais moi, trop souvent, et je suis pro-open source, par contre, je suis pragmatique, c'est-à-dire que je vais prendre, un peu comme la gendarmerie royale, je vais prendre la solution qui répond à mon besoin. Je vais privilégier les technologies qui sont ouvertes s'ils répondent à mon besoin, mais s'ils ne répondent pas à mon besoin, je ne le ferai pas. Désolé de décevoir certaines personnes, mais c'est mon approche à moi. Par contre, il y a beaucoup trop de gens qui sont des trolls, qui sont agressifs. Je sais pas, j'ai tendance à te regarder, Christian. Christian, c'est mon troll préféré, mais c'est un troll sympathique. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu trop agressifs dans la manière de vendre l'open source. Et je pense que ça nous nuit plus qu'autre chose. Je pense qu'il y a une façon d'approcher les gens. Je pense que c'est en n'étant pas drastique ou agressif dans notre approche, mais en ayant une approche d'éducation, je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à certaines choses. Et moi, j'ai rajouté ça dans ma présentation tantôt, parce que j'adore l'approche pragmatique que le colonel Xavier Guimard a utilisée, mais c'est vraiment, on utilise les logiciels libres, et il aurait pu enlever le mot « libre », c'est dans le fond, on utilise les logiciels qui fonctionnent bien et respectent les standards, parce que leur première idée par rapport à ça, ce qu'ils voulaient eux autres, c'est d'avoir cette liberté-là, bien sûr, de sauver des coûts, mais c'est d'avoir cette liberté-là. C'est une liberté qu'on peut avoir avec les logiciels ouverts. Et les autres, propriétaires ou non, ne sont pas les bienvenus. Donc, je pense qu'en ayant une approche comme ça, ouverte, en étant honnête avec le processus qu'ils ont utilisé, je pense que c'est très gagnant et ça ne fait qu'aider le mouvement open source. Donc, c'est un peu décevant, 45 minutes, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire. C'est un survol très rapide, très haut niveau, qui est basé sur mon expérience, qui est basé sur ce que je vois dans la communauté au jour le jour où je travaille avec les développeurs. J'espère que ça vous a quand même donné ça vous a éclairé un peu sur où on en était, où on est rendu, où on doit s'en aller. J'espère que ça va vous aider à continuer à penser que l'open source, c'est une solution qui est viable dans la plupart des cas. Si vous avez des questions à l'extérieur de la conférence, frper@mozilla.com, je réponds à tous mes courriels, pas toujours rapidement, mais je réponds à tous mes courriels. Twitter est toujours une bonne façon pour me rejoindre. Pour les gens qui sont techniques dans la salle, plus les développeurs, allez faire un tour sur axe.mozilla.org. C'est des billets techniques faits par l'équipe d'évangélistes et des ingénieurs chez Mozilla. Vraiment techniques sur HTML, CSS, JavaScript, sur des produits chez Mozilla, des produits Firefox. Et bien sûr, comme je disais, je vais mettre les diapositives en ligne et la vidéo sur outofcomfortzone.net, qui est mon blog avec des billets, des fois en français, des fois en anglais, la plupart du temps en franglais.